bah, la première chose, ça va être super étonnant, ça va être... Mais alors, vous allez pas du tout vous y attendre, je dirais psychologie. Donc c'est logique, je suis en études de psychologie, donc je suis arrivée à l'FLSH en tant qu'étudiante de psychologie. J'espère un jour en sortir avec un diplôme. Non, voilà. Alors, un des points importants, c'est le développement personnel. Parce qu'on est beaucoup encouragés par nos professeurs et on a tellement de matières différentes que bah, forcément on a beaucoup de connaissances dans énormément de matières et du coup ça nous aide beaucoup pour notre culture générale et dans notre travail. Le deuxième mot que je dirais, c'est vraiment humain, dans le sens où c'est une petite fac, enfin c'est pas que c'est une petite fac, mais on a l'avantage de pas non plus être nombreux, très nombreux sur les promotions et du coup on apprend tous à se connaître. Je trouve qu'on échange pas mal entre nous, on discute pas mal entre nous. On échange aussi pas mal avec les professeurs, on a quand même pas mal de retours, pas mal de dialogues. Après, bon, bah, la fac, t'y passes 80% de ton temps, donc forcément, c'est là où tu te fais des copains, c'est là où tu rencontres des gens, c'est là où bah, il y a quasi un gros bout de ta vie qui s'y fait, quoi. Donc vraiment, tout ce côté humain, relation, rencontre. Ensuite, je dirais que la deuxième idée clé de la licence, c'est l'écoute. Parce qu'on a des professeurs bah, très à l'écoute, on peut facilement interagir avec eux pendant et hors des cours. Ils nous répondent assez clairement et assez rapidement. Donc dans l'univers de la fac, c'est pas, on va dire, l'idée commune qu'on puisse interagir avec les profs. On a plutôt l'idée d'un amphi bondé, qu'on est un peu livré à nous-mêmes. Pour le coup, à la Cato, dans notre licence, les profs sont très compréhensifs et très à l'écoute. Et je pense que du coup, le dernier mot sur humain, relation et rencontre, ça serait le BDE. Parce que en tant que co-président du BDE, je ne pouvais pas ne pas parler du BDE. Non, c'est logique pour moi et c'est tout encore un autre côté de la fac, étonnamment. On s'est dit bon bah c'est bien, on est étudiant, il y a la vie étudiante à côté et bah, tu sais que quand t'es dans la vie étudiante t'as forcément un BDE. Et je trouve que passer de l'autre côté justement et de rencontrer les élèves, gérer le BDE mais aussi rencontrer l'administration et voir comment ça fonctionne, c'est super intéressant et je crois que ma dernière année je m'en souviendrai vraiment bien quoi. Et du coup la dernière idée clé ce serait l'entraide. Dans la classe parce qu'on est un effectif restreint et que forcément on est un groupe de classe assez soudé. Puis on est très proches, on est tous très proches, on dialogue extrêmement souvent pour savoir comment ça va ou pour s'envoyer les cours, donc c'est un point important.